Est-ce qu'il peut savoir la spécialité? Il faut savoir aussi qu'on assure nos missions sur l'ensemble du département avec une trentaine de supports. En l'occurrence, une à Fondardic, une à Montpellier et une à Bourges. De l'escalier. On peut les applaudir bien fort pour cette démonstration. On protège la victime derrière cette bâche et également sa sapeur-pompier qui est à l'intérieur. Les enfants qui voient une fois, ils peuvent venir devant. Hein. Elles sont positionnées donc entre le siège qui est légèrement décalé et reculé pour pouvoir accéder au bord de la victime. La désincarcération intervient une fois que
systématiquement. Donc voilà, la victime est sortie grâce à l'effort des sapeurs-pompiers, donc à cet attel de guide qui a permis de pouvoir sortir en toute sécurité la victime. Et là, ils vont donc procéder au brancardage de celle-ci, accompagner la victime jusque dans l'ambulance pour la transporter au centre hospitalier le plus proche des lieux de l'intervention, et c'est extrêmement rapide. Donc on voit le professionnalisme, l'entraînement paye, et aujourd'hui on voit le résultat. 17 minutes pour découper une voiture, sortir une victime, en prenant toutes les précautions, on peut les applaudir, bien bien fort. Je vous remercie avec le groupe d'intervention Amélie Périllot qui fera une descente avec un chien cynotechnique. Donc vous verrez une manœuvre de grande ampleur avec deux équipes spécialisées, donc le grimp et thank you.